Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire en ligne sur la formation des agents de l'argent mobile ou mobile money. Je m'appelle Claire Pénicaud et je travaille à l'association GSM en tant qu'analyste pour le programme Mobile Money for the Unbanked. Je suis ici avec ma collègue Lara Gilman qui est manager dans la même équipe. Nous allons commencer le webinaire. La première partie sera une présentation des bonnes pratiques en matière de formation des agents. Et la seconde partie sera plus interactive, ce sera un échange de questions et réponses. Donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions sur le chat durant la présentation. Lors d'une étude récente sur l'adoption des services de l'argent mobile, nous avons trouvé que le paysage se dessine en trois parties. Les services du premier groupe, qui sont ici représentés en rouge, ont connu une très forte croissance depuis leur lancement. Les services du deuxième groupe, en bleu ici, bien qu'ayant été lancés beaucoup plus tôt parfois, ne sont pas parvenus à atteindre des taux de pénétration similaires. Le troisième groupe, enfin, est constitué de services ayant moins d'un an pour lesquels il est trop tôt pour se prononcer. Alors, qu'est-ce qui caractérise les services du premier groupe? Ils ont tous en commun le fait d'avoir des agents très performants effectuant jusqu'à 75 dépôts et retraits par jour en moyenne. Notre expérience de travail avec les opérateurs de téléphonie gérant les services d'argent mobile nous a montré que la formation des agents est un levier puissant permettant d'augmenter la performance des agents. C'est pourquoi nous avons entrepris des travaux sur le sujet afin de répondre aux questions qui nous ont été posées. Nous avons récemment publié un guide pratique sur la formation des agents qui est disponible en français sur notre site et ce webinaire s'inscrit dans la continuité de ce travail. Cela nous a permis d'identifier cinq principes directeurs dont nous allons parler maintenant. Numéro 1, tous les membres de la chaîne de distribution doivent être formés. Deuxièmement, la formation hors site est recommandée pour les nouveaux agents. Numéro 3, la formation des agents ne doit pas être un événement isolé. Numéro 4, une formation efficace est réalisée par des formateurs dédiés avec des indicateurs de performance clairs. Et enfin, dernier point, la formation doit aller au-delà du simple mode d'emploi des transactions d'argent mobile. Ma collègue Lara va vous présenter les trois premiers points et je reprendrai la parole pour les points 4 et 5. Bonjour tout le monde. Bon, pour commencer avec numéro 1, comme Claire a dit, le premier point, c'est que tous les membres de la chaîne de distribution doivent être formés. C'est-à-dire que la responsable des gens, les agents mobiles de recrutement, les agents au guichet, etc., sont tous des membres importants de la chaîne de distribution. Ils doivent avoir une compréhension parfaite de l'argent mobile. Et ça, c'est vraiment le point de ce premier point. Tout d'abord, on a le chef d'entreprise. Qui sont la personne responsable d'une ou plusieurs des points de vente qui offrent des services d'argent mobile. À ce titre, il est important qu'il ou elle soit formé au service qui sera offert par son entreprise et soit acquise au modèle de rentabilité de l'argent mobile. Donc, la formation des chefs d'entreprise devra couvrir les compétences nécessaires à la gestion de l'ère guichetière et notamment la notion de base de comptabilité, les rapprochements comptables de fin de journée, etc. Donc c'est vraiment plus que juste comment on utilise l'argent mobile. Deuxièmement, on a les agences au guichet, comme on dit en anglais, les handlers. Ce sont des personnes qui sont vraiment la face du business. Ils sont non seulement le visage de la société vis-à-vis des clients, mais ils sont également considérés comme des experts du produit au niveau du client. Donc, les agences au guichet sont généralement soumises à une formation rigoureuse, sanctionnée par un examen final qu'ils doivent réussir pour faire la preuve de leur préparation à l'égard du fournisseur du service. Ces agents mal formés contribuent à de mauvaises expériences clientes au niveau de point de vente, ce qui pour conséquence une faible adoption ou utilisation de services par la clientèle et une incidence accrue des problèmes de fraude.
Donc, c'est vraiment la face du business. C'est vraiment eux qui sont en besoin de la formation très, très rigoureuse. Troisièmement, on a aussi les agents mobiles de recrutement du train. Normalement, on dit ça « foot soldiers » aussi, on utilise ce terme. En général, ce n'est pas tous les services qui utilisent ce type de personnes, mais en général, et une raison pour ça, c'est compte tenu du profil des agents, de la structure de leur rémunération, le taux de rotation des effectifs est très élevé, ce qui rend les efforts de cette formation coûteux. Mais pour les agences au guichet, il n'est pas possible de. Mais comme les agences au guichet, il n'est pas possible de s'en dispenser. Lorsqu'un service d'agent mobile utilise des agents mobiles sur le terrain de recrutement pour la première interaction des clients avec le service, ces agents doivent être convenablement formés. Leur formation sera probablement plus rapide et plus complète que celle donnée aux agents au guichet, mais devra couvrir les aspects suivants. Tout d'abord, la présentation des principaux avantages du service d'argent mobile aux nouveaux clients. Deuxièmement, la procédure d'enregistrement des nouveaux clients. Et troisièmement, l'explication aux nouveaux clients de fonctionnement l'interface de l'argent mobile. Finalement, il faut les former sur les réponses aux questions les plus fréquentes posées par les nouveaux clients. Bon, on passe maintenant à la dernière deux groupes qui doivent être formés dans la chaîne de distribution. Il y a d'abord les équipes de gestion du réseau d'agents, EGRA. Les EGRA gèrent les agences et doivent avoir une connaissance exceptionnelle du service. Elles doivent savoir comment utiliser le service, mais aussi quels sont les avantages de l'agent mobile, y compris le modèle économique pour les agents. On va discuter de ce point à plus tard, comment on peut faire ça. Et finalement, il y a bien sûr ceux qui sont responsables pour les agences, agrégateurs et distributeurs. En anglais, on utilise le terme « master agent » pour la description de ce groupe. Et pour eux, ils devront être formés au processus de recrutement des agences afin d'assurer la qualité des recrues et finalement la gestion de la liquidité, qui est vraiment une challenge très importante au point de vente. Donc, on passe à point 2. Et on passe maintenant à numéro 2, des bonnes pratiques. Tout d'abord, la formation hors site est recommandée pour les nouvelles agences. Par la suite, le modèle de formation des agences dépend de la maturité du service. C'est-à-dire que si le service n'est pas encore lancé, normalement, on recommande que la formation centralisée est efficace au moment du démarrage du service. La raison pour ça, c'est ça vous permet de développer un sentiment d'appartenance et d'obtenir l'adhésion des agences. La formation des nouveaux agents post-lancement s'effectue de préférence sur une forme décentralisée, ce qui permet d'augmenter rapidement la taille de réseau d'agences. Si on voit ce slide à gauche, on voit des exemples de plateformes régionales de formation efficace en termes de coûts. Parce que ça, pour garder une service centralisée, ça peut être très cher. Donc, tout d'abord, on a une histoire. 2 ans après le lancement de son service, un opérateur a mis en place des centres de formation régionaux avec des sessions permanentes de formation permettre aux nouvelles agences comme une action de venir se former. D'anciens enseignants de cette région a été formé pour devenir les formateurs locaux. Deuxième histoire, un opérateur utilise l'espace disponible dans ses points de vente comme des centres de formation. Donc, c'est déjà là, on peut utiliser le même coût et on peut, ça représente une économie importante. Finalement, un autre fournisseur de services d'argent mobile a conclu un accord avec une IMF disposant d'une présence physique nationale afin d'utiliser les centres de celle-ci pour la formation des agents. C'est-à-dire, chaque exemple utilisé va suggérer une façon qu'un opérateur peut utiliser pour mieux
sphère économique, c'est la nécessité de faire une formation hors site. Numéro 3, la formation des agences ne doit pas être un événement isolé. Les agences auront besoin d'un rafraîchissement périodique de leurs connaissances ainsi d'une formation aux nouveaux produits. Il y a deux points ici qui sont très importants. Tout d'abord, la formation initiale doit être obligatoire. Cela contribue à réduire les infractions commises par les agences et offre un record pour l'opérateur dans le cas où un agent a fin de règles. Deuxièmement, c'est important, différentes options de formation doivent être disponibles et en continu. La formation ne s'arrête pas après la formation initiale. Il y a toujours la formation de rappel où les agences peuvent avoir la possibilité de suivre la formation de rappel. Ces formations peuvent être effectuées de façon centralisée ou localement. Deuxièmement, formation continue au point de vente. Les visites rendues aux agences sur site peuvent être exploitées pour tout d'abord améliorer la performance des agences à travers leur appel. Deuxièmement, identifier les besoins futurs de formation. Et finalement, motiver les agences vis-à-vis du modèle économique de l'agent mobile. Et finalement, qui est très clair, si un opérateur a décidé de lancer de nouveaux services, il faut avoir bien sûr la formation sur ça. À mesure du développement du service et de l'ajout des nouvelles fonctionnalités, les agences ont besoin de rester informées et leurs compétences d'être mises à niveau. Une démonstration de l'utilisation des nouveaux produits doit être faite si possible. Ça peut être hors site ou à leur point de vente. Je repasse la parole à Claire pour vous donner le dernier point. Tenez-vous. Donc on passe au point numéro 4. Une formation efficace est réalisée par des formateurs dédiés avec des indicateurs de performance clairs. Donc, ce qui est très important ici, et c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est que les responsables d'agents et les équipes de gestion des agents ne sont pas des ressources adaptées pour la formation des agents ou guichets. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les incitatifs et les objectifs de ces personnes, des responsables d'agents, sont fondamentalement conçus pour pousser les ventes, la croissance, les volumes de transactions, et ils ne comportent généralement pas d'objectifs relevant de l'assurance qualité ou du respect des procédures et la réglementation en place. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ces responsables d'agents, ou master agents en anglais, pour assurer la formation des agents. Il faut avoir des ressources dédiées. Deuxième point, donc il est nécessaire d'avoir des formations dédiées avec des indicateurs de performance clairs afin de délivrer une formation efficace. Donc, on nous demande souvent, est-ce que ces formateurs doivent être du personnel en interne ou est-ce qu'on peut externaliser la formation des agents? On a vu des cas de figure de ces deux types fonctionner et être efficaces. Donc, ça dépend vraiment en fait de quelle solution est la plus adaptée pour vous. Est-ce que vous avez une équipe de formation en interne compétente qui a les compétences voulues? C'est aussi des questions de coût, bien sûr, et du degré de latitude de contrôle que vous souhaitez avoir sur le formateur. Troisième point ici, les indicateurs de performance doivent être bien pensés. Ça, c'est vraiment important, comme pour tout autre domaine d'activité de l'argent mobile d'ailleurs, il faut des incitatifs et des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, ils peuvent porter sur les résultats de la formation en volume, donc par exemple le nombre d'agents qui ont été formés, mais il doit aussi y avoir des indicateurs portant sur la qualité, comme par exemple l'amélioration de la qualité du service aux clients grâce à la formation. Enfin, cinquième et dernier point de nos bonnes pratiques, la formation doit aller au-delà du simple mode d'emploi des transactions de l'argent. Donc il est important que la formation couvre toutes les questions de rentabilité, le modèle économique de l'argent mobile pour les agents, mais aussi les directives de votre entreprise en matière de comportement, de techniques de commercialisation et tout ce qui est respect de la réglementation. Donc vous avez ci-dessous un exemple de matériel de formation qui est utilisé à MTN pour expliquer aux agents le fonctionnement des commissions. Donc on leur montre ce tableau et on leur explique, voilà, si vous faites X nombre de transactions par jour, voici les commissions. À la fin du mois, si vous avez fait 20 retraits,
10 dépôts, 20 enregistrements, voici combien vous aurez gagné. Donc c'est pour expliquer vraiment quelle activité l'agent doit avoir pour s'y retrouver financièrement avec l'argent mobile. En général, on dira qu'il faut prévoir 4 à 6 heures pour une session de formation pour des nouveaux agents. Il est important que la formation utilise des téléphones portables pour que les agents qui sont formés puissent faire des démonstrations et se familiariser avec l'interface mobile. On recommande aussi un ratio entre le nombre d'agents par formateur assez bas. Donc idéalement, c'est 25 agents pour un formateur. Et enfin, il est important que les participants soient évalués à la fin de la formation. Sur cette slide, vous voyez un exemple de programme de formation que l'on a trouvé chez un opérateur et donc qui montre les différents thèmes qui doivent être couverts durant la formation. Donc ici, on commence par une introduction sur l'argent mobile. Voilà, qu'est-ce que l'argent mobile? C'est particulièrement important si le service est nouveau dans votre pays, sur votre marché. Le deuxième point, c'est comment gagner de l'argent avec l'argent mobile. Donc là, on parle vraiment du modèle économique pour les agents. Comment fonctionnent les commissions, quel est le mix produit qu'il doit avoir pour avoir une rentabilité intéressante. Le troisième point, c'est la présentation de l'écosystème de l'argent mobile et des différents acteurs. Donc on a les distributeurs, les agents, les agrégateurs, les agents principaux, etc. Donc voilà, qui fait quoi. Quatrième point ici, c'est le fonctionnement de l'argent mobile. Donc vraiment très pratique, quelles sont les étapes à faire pour les agents, pour enregistrer les clients. Ils doivent aussi savoir quelles sont les étapes que les clients ont à faire pour effectuer des transactions. Cinquième point, c'est la gestion de la liquidité. Donc là, c'est vraiment voilà, combien de capital initial on doit mettre, comment est-ce qu'on planifie le float et comment on le rééquilibre pour avoir toujours assez d'argent liquide et d'argent électronique disponible. Le sixième point, c'est la sécurité, donc le PIN, très important pour les agents, mais aussi éduquer les clients sur le fait qu'ils ne doivent pas partager leur code secret, leur PIN avec d'autres personnes. C'est aussi la tenue du livre des transactions de façon rigoureuse, apprendre à gérer les erreurs de transaction et voilà, être capable de reconnaître ou d'identifier les fraudeurs. Le septième point, c'est le service client, donc éducation de la clientèle, assistance téléphonique aux clients, recours des clients en cas d'erreur. Donc voilà, il faut être capable pour un agent de conseiller le client s'il y a une erreur de transaction, si il n'a pas reçu l'argent qu'il devait recevoir. Voilà, comment le guider, quels sont les numéros de téléphone à composer, quels sont les recours en cas d'erreur. Huitième point, ce sont les obligations des agents. Donc c'est les techniques de commercialisation. Donc par exemple, quel matériau vous voulez voir sur le point de vente. Quel type de document, est-ce que la fiche de tarif doit apparaître clairement ou pas, est-ce qu'il faut un numéro d'agent, c'est aussi la tenue du livre de transaction. Et le dernier point, enfin, c'est la vérification de l'identité des clients et tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour un opérateur puisqu'il est obligé d'être en règle avec ses réglementations. Et il est important que les agents comprennent les implications de ces règles pour ne pas mettre en danger le service. Donc ça va de demander simplement au client de s'identifier, donc montrer une carte d'identité, c'est ce genre de choses. Donc je pense qu'on a fait le tour des cinq principes directeurs sur la formation des agents. Donc on va maintenant commencer à répondre à vos questions avec Lara. Donc voilà, n'hésitez pas encore, utilisez le chat pour envoyer vos questions. Nous on en a déjà collecté quelques-unes, on va commencer avec celle-là. Mais si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas à écrire et on répondra au fil des questions. Bon, alors on commence avec la première qu'on a reçue. Pourquoi n'est-il pas adéquat d'effectuer la formation des agents à la pointe de vente? Bon, on a parlé de ça un peu un peu tôt, mais c'est vraiment, il y a trois points qui sont très importants. Tout d'abord,
pour les agences, ça leur donne une opportunité de rencontrer les autres agents, d'améliorer leur connaissance avec le service et bien sûr de partager leurs idées ensemble. Donc, ça c'est vraiment important pour eux, mais c'est aussi vraiment important pour l'opérateur. Et ça m'arrive à la deuxième point. Le deuxième point, c'est que la centralisation de la formation donne l'opérateur l'occasion de comprendre mieux le terrain. Quels sont les problèmes pour les agences, quel est leur challenge, quels sont les obstacles, et bien sûr, pour mieux former les agences et eux-mêmes. Mon troisième point, c'est on peut aussi utiliser la centralisation pour faire le rappel encore. Parce qu'il y a les choses que l'employeur ne sait pas si l'agent comprend ou ne comprend pas. Donc, si on peut le faire ensemble, ça donne encore l'employeur l'occasion de vraiment comprendre la situation des points de vente. C'est la première question. Bon. Donc, si vous voulez, on va passer à la deuxième question. Donc voilà, toujours n'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions. Vous pouvez aussi les poser en ligne si vous enlevez le mode silencieux sur votre téléphone. Pas de problème. La deuxième question, c'est aussi quelque chose dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les responsables d'agents ne peuvent pas former les agents? Alors c'est vrai que ce serait bien pratique puisque c'est des ressources qui existent déjà en interne, ça permettrait de réduire les coûts. C'est des gens qui sont au contact de ces agents. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne recommande pas d'utiliser ces personnes-là pour la formation des agents. La raison principale, c'est vraiment que les incitatifs et les objectifs ne sont pas alignés. Donc le formateur, lui, il doit avoir à cœur de former les agents aux bonnes procédures, au respect de ces procédures et à la qualité de service. Alors que le responsable d'agent ou les équipes de gestion du réseau d'agents, eux, ils sont incités à pousser les ventes, à pousser les volumes de transactions, à faire croître en fait le service. Ce n'est pas forcément des objectifs qui sont opposés, mais malheureusement, ça ne va pas dans le même sens. Et il faut faire vraiment attention à ça. Donc, c'est pas possible de se reposer sur ces gens-là pour dispenser la totalité de la formation. Alors, par contre, c'est vrai qu'on peut utiliser les visites rendues aux agents pour faire des piqûres de rappel, si c'est nécessaire, ou voir, poser quelques questions aux agents, voir s'ils ont bien acquis les points de formation. Ça, c'est possible. Mais le formateur, ce doit être une personne différente et une ressource vraiment dédiée à la formation. Est-ce qu'il y a une question sur le téléphone? Sinon, on a reçu une autre, mais je vous donne l'occasion de parler si vous voudriez. Bon. Ok, on continue avec une autre question qu'on a reçue. Comment faire face au problème de l'illettrisme que l'on rencontre parfois avec les agences? C'est une très bonne question et c'est vraiment au courant dans beaucoup des marchés où on trouve l'agent mobile. Pour répondre à ça, j'ai deux points. Tout d'abord, pendant la formation, on a suggéré qu'il faut avoir une partie pratique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le téléphone, il faut le montrer, il faut le donner l'occasion d'essayer le service pour qu'il puisse comprendre comment exactement ça marche. Et même chaque partie du curriculum, du programme de formation, il faut avoir un élément pratique. Deuxièmement, en la structure de formation, c'est-à-dire hors site ou centralisé, une chose qu'on a vue, c'est d'avoir une formation régionale. Et ça peut aussi adresser le problème si tout le monde ne parle pas la même langue. Si on fait quelque chose par région, un opérateur peut utiliser la langue maternelle de région au lieu d'utiliser la langue nationale, c'est-à-dire.
Ok, on a reçu une autre question. Comment mesurer efficacement efficacement Merci. La satisfaction de la clientèle en lien avec la formation des agents. Ok. Le premier point pour ça, donc on en revient toujours à la même chose, hein, le fait d'avoir un formateur qui soit une ressource dédiée, c'est très important parce qu'on va mettre ça en fait dans ses indicateurs de performance. On va ajouter des indicateurs de performance aux formateurs qui permettent d'évaluer la satisfaction de la clientèle. Donc comme on a dit, ces indicateurs, ce n'est pas juste de la quantité, regarder le nombre d'agents visés, ça porte aussi vraiment sur la qualité. Et donc ça inclut notamment la satisfaction de la clientèle. Oui, ok. Donc par exemple, on va regarder, voilà, est-ce que le contenu de la formation est à jour, est-ce que c'est exact? Et on va faire une revue périodique en fait de ces formations-là. Et en fait, c'est une. Il y a une autre question qui est liée, je crois, un peu à cette question. Et ça, c'est une question à quelle fréquence dois-je former mes agences? Et ça aussi, ça, on peut dire comment on peut voir si ça a marché, quelle est la fréquence, etc. Donc, au niveau de la fréquence, on pense que vraiment ça dépend au niveau de développement de l'opérateur. C'est-à-dire, au début, il faut avoir beaucoup de formation parce que le service n'est pas. Les agences ne sont pas vraiment sensibles au service et ils n'ont pas l'occasion d'utiliser le service pas encore, même particulièrement si le service n'a pas encore lancé. Mais, par exemple, maintenant, Kenya, M-Pesa, la fréquence dans un marché beaucoup plus mature, il n'a pas beaucoup de besoin de faire la formation. Au même avec la même intensité. C'est-à-dire que maintenant, puisque les agents comprennent le service, puisqu'ils utilisent le service régulièrement, puisqu'ils comprennent exactement ce qui doit se passer, le niveau de formation est très différent. Donc la fréquence va diminuer. On a reçu une autre question. Est-ce que les agents doivent payer des frais d'inscription pour la formation? Donc là, je crois qu'on peut être assez catégorique et répondre non. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on doit faire. Bien au contraire, quand vous pensez à la formation de vos agents, et même si c'est sur un endroit centralisé, il faut prendre en compte que vous devrez payer pour les frais de repas, les rafraîchissements pour vos agents, mais aussi les frais de transport, notamment s'ils viennent de loin. Il est vraiment important de garder en tête que c'est des personnes qui ont un coût d'opportunité pour venir assister à la formation. Donc, il faut arriver à les défrayer suffisamment pour que ce soit intéressant pour eux. Sinon, malheureusement, il n'y aura pas assez d'agents intéressés par les services de l'argent mobile. Et en fait, à l'autre côté, peut-être il faut leur donner quelque chose, par exemple pour le remboursement de le transport, en suggérant que même ce n'est pas leur charger, mais vraiment de leur donner quelque chose pour leur intéresser de venir, de prendre du temps de venir pour faire la formation. Et c'est vrai que c'est particulièrement important dans le cas des nouveaux agents pour un nouveau service qui ne savent pas encore voilà, quel va être le succès du service, combien de clients ils vont avoir, combien de transactions ils vont faire. Et surtout au début, dans les premières semaines, voire les premiers mois du lancement, le nombre de clients va être peut-être assez faible et avant d'augmenter. Donc il faut vraiment arriver à les intéresser dès le début. Donc il faut essayer de limiter au maximum le coût d'opportunité pour eux de devenir un agent de votre service. On a d'autres questions sur le chat ou au téléphone. Oui, on a reçu une autre question. Faut-il organiser des sessions de formation pour les clients? Bon,
Bonne question. Par rapport à ce qu'on a discuté, on dirait ce n'est pas exactement la formation dont on parle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment former les clients, mais on pense que ça peut être plutôt une opportunité pour la stratégie marketing, particulièrement le BTL, avec les animations sur le terrain et bien sûr avec le budget pour ça. Mais il faut aussi dire qu'une partie de la formation des points de vente, des agences, est vraiment de leur expliquer comment on peut expliquer le service pour les clients. C'est-à-dire que c'est vraiment vos agences qui va devenir les enseignants des clients. Donc, à votre point, il faut pas vraiment organiser les sessions. On a pas vu une organisation des sessions particulièrement pour les clients, mais il faut enseigner vos agences de devenir les enseignants pour les clients. Oui, donc là, on rejoint le premier point que Lara avait présenté plus tôt ce matin. C'est que ça concerne bien sûr les agents au guichet qui vont recevoir les dépôts et faire les retraits. Ça concerne aussi les agents mobiles de recrutement ou foot soldiers, comme on les appelle souvent en anglais, parce que c'est eux en fait qui vont être le premier visage pour ces clients de votre service. Et donc c'est eux qui vont devoir amener en fait les clients à se familiariser avec les services, peut-être à effectuer leur première transaction. Donc c'est vraiment important de former tout le monde là-dessus. Et le deuxième point, c'est que donc les agents doivent être capables d'expliquer bien sûr comment effectuer une transaction, mais cette formation des clients, si on veut, ça se limite pas à ça. Ça doit aussi inclure un brief sur les questions de sécurité du compte. Donc bien sûr, voilà, garder votre code secret, ne pas le partager avec d'autres personnes, venir avec la carte d'identité, etc. Donc ce sera fait par les agents. Je dirais au coup par coup à chaque nouvel enregistrement. Et puis, il faut bien sûr que les clients sentent qu'ils puissent venir voir leurs agents en cas de questions sur le service. Une dernière appel pour la question. Alors, merci. On vous remercie encore pour venir, pour discuter ce sujet avec nous. En plus, ce qui va se passer maintenant, on va mettre ce webinaire sur le site, sur notre blog. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par le blog ou par Twitter. On voudrait bien entendre les histoires, comment ça marche dans vos marchés. Très bien, mais je pense qu'on peut clore cette session alors. Voilà, donc vous pouvez venir sur le site. On vous enverra également la publication, notre guide pratique sur la formation des agents en français. On vous l'enverra par mail. Et puis voilà, on reste à votre disposition, comme l'a dit Lara. On est toutes les deux là pour répondre à vos questions et écouter ce que vous avez à nous raconter sur ce sujet également. Bonne continuation, bonne fin de journée à vous et à bientôt pour une autre session. Au revoir, merci.